Dans cette vidéo, nous traiterons des trucs et des conseils pour le plaquage des poignées de portière à l'aide de la pellicule de plaquage G12-3M de série 2080 noire lustrée. Cette pellicule est dotée de la nouvelle couche de pellicule protectrice de 3M qui réduit considérablement les impressions de surface et prévient les égratignures pendant l'installation. Utilisez un petit objet pour maintenir la poignée de la portière ouverte, comme cette raclette de 1 pouce. Fixez une extrémité de la pellicule sur le bord de la poignée en veillant à ne pas laisser de plis avant de continuer. Étirez le matériau à froid sur la poignée de manière à l'aplatir en cours de route. Réchauffez le matériau aussi souvent que nécessaire afin qu'il épouse les contours de la poignée. Retirez la section du verrou de la poignée de la portière de la voiture et enlevez le surplus de matériaux avant de réinstaller le verrou. Effectuez les découpes nécessaires et utilisez le coin d'une raclette pour rentrer le matériau dans tous les bords. Comme toujours, assurez-vous de bien chauffer le plaquage après le retrait de la couche de pellicule protectrice.